Bonjour à toutes et à toutes, c'est Andrew Dinoki et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo changement de coque sur une clé Peugeot 208. Allez, c'est parti, on commence. Donc pour commencer, on a la clé d'origine qui se trouve à droite et on a du coup la nouvelle clé juste ici. Donc la clé d'origine, on va commencer du coup par l'ouvrir. Donc c'est très simple, vous prenez du coup le dos juste ici, quelque chose de plutôt plat comme un tournevis plat, et vous venez du coup l'enfoncer juste là. Donc hop, comme ceci. Vous faites un levier, voilà. Là maintenant vous accédez du coup au côté pile avec deux vis juste ici. Donc là on va venir dévisser les deux. Hop. Une fois que c'est fait, vous prenez du coup cet emplacement et vous maintenez du coup le tout. Et vous allez pouvoir insérer du coup votre levier juste là pour faire une sorte de levier. Voilà, c'est vraiment pour déboîter. Une fois que c'est fait, vous retenez du coup cette partie là avec ce plastique là. Parce qu'en fait il y a un ressort. Donc comme ceci, et voilà. Donc là maintenant on va pouvoir du coup mettre ces parties là de côté parce qu'on n'en a plus l'utilité. Voilà, et on récupère nous juste le circuit. Hop, maintenant la coque de réception. Donc on a cette partie là du coup qui est déjà détachée. C'est là du coup on n'a pas les deux vis, donc c'est bon. On va pouvoir directement déboîter du coup cette partie là. Toujours pareil, on maintient bien le côté lame avec ce plastique là. Hop, et là du coup on n'a plus qu'à installer du coup le circuit. Donc on le met comme ceci, on l'emboîte dans le silicone, hop, comme cela, très important. Et on n'a plus qu'à du coup installer l'autre partie, voilà, et on emboîte. Voilà, donc là du coup la clé du coup est emboîtée. Maintenant on met les vis, et une fois qu'on a vissé, on n'a plus qu'à remettre la pile comme ceci, hop. Et le petit cache comme cela. Hop. Hop. Donc là du coup votre clé est totalement fonctionnelle. Vous n'avez plus qu'à tailler la lame et aller à votre véhicule pour l'utiliser comme tous les jours. Et maintenant si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez la moindre question, laissez-nous un petit commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis à la prochaine.